phallique, l'asperge violette de Camargue, mais tellement bonne. Voilà, pour moi la création c'est ça, partir donc d'un produit, d'une évidence, en trouver un autre qui va être donc son complément. Et donc ceci est pour vous, bouquet d'asperges violettes de Camargue et pousses et fleurs de capucine, pour vous. Étape numéro 1, éplucher l'asperge, enlever toute la fibre. Couper la partie éventuellement un petit peu plus dure et on obtient donc quelque chose donc de très doux, de très velouté. Bien évidemment, quelque chose qui va être parfaitement sucré. Une superbe asperge violette de Camargue. Sélection des plus belles fleurs et jeunes pousses pour notre recette. Alors l'avantage de ces fleurs donc, vont nous donner donc, le côté donc, poivré, délicat, et les pousses, pareil. Il ne restera plus qu'à amener nos asperges en cuisson et premier assaisonnement avec fleurs et feuilles de capucine. Et ça c'est bon. Voilà, nos asperges blanches violettes donc, de Camargue. Violette pourquoi ? Parce que donc, la pointe donc, est violette, c'est la seule partie qui voit vraiment donc, le soleil, tout le reste a été buté pour garder donc, la blancheur et évidemment la délicatesse de cette asperge. Nous les avons fait cuire, donc chez nous on les fait cuire donc, en sous vide en définitive. Vous pouvez les faire cuire éventuellement à la vapeur, surtout pas dans de l'eau, parce que de l'eau avec de l'eau, ça donnera toujours donc, de l'eau. Effectivement, un légume, on est entre 75 et 98% d'eau. Donc vous imaginez, si on plonge un légume dans de l'eau, il va se gorger d'eau, donc aucun intérêt. Développement donc de la recette, nous avons créé une maltaise. Une maltaise, c'est quoi ? C'est une sauce tout simplement donc, onctueuse qui est à la base donc, d'une hollandaise sur laquelle on a fait réduire donc, des jus d'orange sanguine. Jus d'orange sanguine, maltaise, association des deux, sauce maltaise. Pour compléter cette recette, des œufs, 1, poutargue, 2, œufs cuits en basse température, 3, les condiments pour assaisonner donc ces asperges. Le montage, 3 minutes, parce que la cuisine, ça demande 3 minutes une fois que tous les éléments sont prêts et disposés. Nos asperges, ici, donc, sont tièdes, assaisonnées, roulées dans une vinaigrette au jus d'orange et huile d'olive. Assaisonnement incontournable de la cuisine camargaise, de la fleur de sel, de la cuisine qui me ressemble, le piment d'Espelette. On enroule bien ces asperges. Elles se gorgent bien donc de cet assaisonnement. Pendant ce temps, le temps qu'elles se confisent dans la vinaigrette. Une opération assez singulière, assez amusante. On récupère un peu de sauce maltaise. Au centre de l'assiette. Tout le reste va aller donc comme toutes donc très très vite. Une asperge. Pour la gourmandise. Une seconde asperge. Pour la fin, une troisième for the fun. Base de mon plat se construit donc gentiment. Ici, nous avons nos poutargues, œufs de muge, pour ceux qui ne connaissent pas, l'incontournable de la cuisine du sud de la France. De l'œuf de poisson, nous allons passer directement à un œuf qui a été cuit en basse température, assaisonné donc de fleurs de sel et de piment d'Espelette. Et nous allons finir ce plat par les éléments principaux que nous avons vus tout à l'heure, qui sont les notes poivrées avec feuilles et fleurs de capucine. Parce que ça, c'est vraiment la définition de la gastronomie. Avec le végétal, comment donner de l'émotion. C'est le printemps, tout ce qui sort de la nature m'intéresse. Là, les petites fleurs de bourrache pour la partie donc iodée. Très iodé, soyons généreux. Et puis, un plat, il faut toujours la touche de l'artiste. La finalité, l'assaisonnement de l'orange, réduite, légèrement caramélisée. Et là, on a toute la complexité